Moi, c'est Gérald Auriol Junior et le plus qu'on aime tout, sinon jouer avec moi, c'est Gérald. Moi, c'est Port-au-Prince. Moi, c'est un monde qui est engagé pour un changement dans le pays, hein, pour permettre que tout citoyen qui vive bien. Moi, à vivre Port-au-Prince avec famille, moi, et madame, moi, et petite, moi. Donc, c'est un plaisir pour moi avec nous là, matin. Merci Gérald, c'est un plaisir pour nous avoir ensemble avec nous la matin. Première question nous avons pour aujourd'hui, c'est qui ça mon handicapé veut dire dans le pays d'Haïti? Yon moun handicapé, c'est un monde pour tout le monde. Mais, qui a quelques besoins spéciaux. Parmi moun handicapé, yo, ou a besoin si là, qui a une déficience physique, mentale, intellectuelle ou soit sensorielle. Déficience, ça yo, pas passager. Ça veut dire, yo durable. Merci pour belle réponse à. Qu'on a l'habitude de connaître. Qui ça, qui j'en nous a enseigné, tout le monde à grand monde, sous situation monde qui est handicapé. Les gens qui vivent avec un handicap, certainement, sont capables de faire quelques défis dans la vie. Mais, toutefois, handicap là, pas qu'à empêcher de vivre la ville. Handicap là, pas qu'à empêcher lui exercer droit lui et puis jouer rôle lui comme citoyen. Puis gros défi dans la vie d'un monde handicapé, c'est pas déficience non. C'est plutôt barrière sociale, barrière culturelle, barrière physique qui est capable de rencontrer sous chimène. Heureusement que barrière ça yo nous gain capacité pour nous démanteler. Merci Gérald. Troisième et dernière question nous gagnons pour aujourd'hui, c'est qui ça étudiant et enseignant qu'a fait pour améliorer la vie moun qui handicapé en Haïti? Le plus gros défi dans la vie un monde handicapé, ce n'est pas déficience, non. C'est plutôt barrière, nous-mêmes, les hommes créés. À travers l'éducation, nous avons l'opportunité pour nous l'ouvrir la jeunesse, pour nous sensibiliser société à ce droit mon handicapé. Tout petit pas, nous sommes capables de démanteler mauvaise attitude, mauvais comportement vis-à-vis mon handicapé. Pour nous capables ouéter sous chimène mon handicapé toute barrière sociale, culturelle et physique. Merci Gérald, c'est la dernière question que nous avons pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quitté ensemble avec une question ou un commentaire. Eh bien, moi-même, c'était pour moi un grand plaisir pour moi participer avec nous. Et donc, et c'est sûr si nous avons l'autre question, ou bien si l'on a fait une série d'activités avec Genio, nous avons fait une session live avec eux, mais disponible, et je suis très content de participer avec eux. Donc, je me félicite nous pour l'initiative ça. C'est une très belle initiative et pour nous profiter de forum ça, de l'espace ça, pour nous sensibiliser, jeunesse là, sur le thématique qui est très important pour le développement pays. Parce que question mon handicapé, c'est une question qui frappe un peu le monde dans la société et en Haïti. Et nous capables de dire que c'est environ 10% de la population qui vit avec un handicap. Et la majorité mon handicapé, malheureusement, et pas joindre l'opportunité pour développer tête yo, pour yo vraiment et gain possibilité pour yo gagner autonomie yo gagner la vie yo, comme ça doit mais et nous était quoi que à travers type d'initiative ça yo et ben bon changement capoté dans la vie mon handicapé ça permet que et acteurs dans pays a décideurs dans pays a beaucoup plus sensibilisés sur situation mon handicapé et puis et de ça, n'a marqué le pas positif dans le pays. Et il y a un pile d'efforts qui fait déjà, pour moi dire ça, parce que c'était une thématique qui, autrefois, pas traitée du tout dans le pays. C'est seulement son en charité, pas été traité, mais pour nous arriver à traiter son droit de l'homme. Donc, ouais, que, il y a un petit effort qu'a fait. Au niveau de l'État, par exemple,
Jounen jodi a, gen yon sekreteri d'Etat pou integrasyon moun handikapè, kote fwa sa pa d'eksiste. Donk, se de pa pozitif kap fèt, e nou ap goumen pou gen lot inisiativ pozitif ki kontinuè ap pase pou permèt ke moun handikapè kap visibè. Donk, mwen remersye nou, e pi mwen souwete nou an bon jounen. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, nous dit merci un peu parce que qu'on est nous fin comprendre problème monde handicapé qui passe en Haïti. Nous dit merci pour temps où tu passes là avec nous aujourd'hui. Merci Gérald parce que tu es ensemble avec nous aujourd'hui. N'a pas passé une bonne journée.